Hey, how are you, Minasan? C'est Kecho et aujourd'hui on se retrouve sur Splinter Cell Blacklist. Ouais, Splinter Cell Blacklist, donc voilà. Donc la dernière fois on avait téléphoné à Sarah, on a eu subi on va dire l'attaque de ces enfoirés. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver là. Donc par la suite on va y aller, on va faire la mission suivante quoi, on va dire. On va faire ça. Voilà. Ce truc ressemble à un Stuxnet modifié. Modifié, oui. Adaptable aux nouvelles configs matérielles. Il s'ajuste tout seul et renvoie les nouvelles données à la maison. Et après, il se reconfigure à distance pour s'adapter au nouveau système. C'est du beau boulot. Enfin, ça fait chier, mais c'est beau. C'est un gars de chez toi qui l'a fait ? Non, j'étais sûr que c'était un pote à toi. Non, mais c'est très élégant et très dangereux. Il peut fermer n'importe quel système. Je m'en suis rendu compte. À ta place, je filerai de l'autre côté de l'Atlantique. On va dire ça pue. Je veux que tu continues à scanner les fréquences et t'arrêtes pas tant que tu n'as rien, ok ? Briggs, elle navire détourné. Pour l'instant, les communications sont presque toutes coupées. On peut synchroniser avec personne, mais on est sur le coup. Charlie. Le virus, j'ai trouvé la source. Il était sur la tablette que Sam a ramenée de Mirawa. C'est impossible, le système... J'ai contourné exprès les protocoles de sécurité. Je voulais augmenter la vitesse de traitement. Tu as laissé le virus nous infecter ? Voilà comment ils nous ont trouvés. Non, pas du tout. Quand on était au sol, j'ai contacté un ancien associé du cartel. Wow. Les ingénieurs ont mis nos têtes à prix, il a dû me doubler pour en avoir une part. Charlie, pourquoi ça tu marche. L'attaque American Fuel a réussi. C'est pour ça qu'ils ont déclenché la continuité du gouvernement. Quelle était leur cible ? Désolé, Sam, on est inondé d'informations. Ça y est. On dirait la Louisiane, la passe de Sabine. Un tanker de gaz naturel. Oh. Oh mon Dieu. La passe de Sabine. Le plus gros terminal pétrolier du golfe du Mexique. Les ingénieurs ont balancé un virus informatique juste avant d'attaquer le tanker. Système de sécurité, alarme, ils ont tout désactivé. Le virus fonctionne exactement comme celui qui nous a attaqués. Tous les sites pétrochimiques de la côte ont été infectés. Si le feu s'étend... Ils vont tous exploser. Wow. Ça pue, hein. Ça pue grave. Donc on va faire débuter la mission, hein. Une raffinerie en flammes, pas la peine de se montrer subtil. L'IMS préconise le tri-rotor en éclaireur et des grenades pour faire des gros dégâts. Ça c'est un furtif je crois. On va prendre ça. Ok, bon allez, on y va. On approche de la zone de saut. T'es prêt ? Le pilote descend à 500 pieds. Décélération. Et 3, 2, 1... Go wouhou ! Il a sauté. Reçu. On y est. Oh. Ça va faire chier. Grim, je suis au sol, je vais vers l'épave de l'hélico. Sam, on dirait que les cils sont en difficulté. Les ingénieurs ? Affirmatif, ils sont coincés. Je sais pas combien de temps ils tiendront.
Allié. Lame. K.O. Comment vous connaissez le contre-signe? Si vous ne voulez pas tirer sur moi, alors pointez ce truc ailleurs, je viens vous aider. Qui a dit qu'on a besoin d'aide? D'où sortez-vous? De nulle part. Vous êtes chargé de la sécurité ici? On devait arrêter le tanker, mais il était déjà trop tard. On est arrivé ici après le crash et on a été accroché par une unité. On a failli avoir leur chef, avant que ce soit le merdier. Grim, on a un ingénieur. C'est une cible de premier choix. Localise-le-moi. Ok. Sois prudent, Sam. Personne ne passe. Allez, où ? Tire d'où ? Ah mais sérieux toi ? Servir, mais... On entend des tirs d'armes légères dans le terminal, Sam. Je te conseille d'avancer par là. Fais de deux, toi. Le mec il passe comme ça en mode. Ah merde, je suis en train de jouer avec les souris. On se bat. Sam. L'ennemi s'en prend aux équipes de pompiers. J'y vais. Grim, trouve-moi le chef des ingénieurs. Je m'en occupe tout de suite. Montez là. Montez ici, voilà. Ok. Ok, ok. On trace. Est-ce qu'on peut monter? Non. Ok, il faut descendre par là. Je vois beaucoup d'éléments hostiles devant. Sam, cette partie du complexe est un vrai dédale. Profites-en. Avec joie. Son of a bitch! Ta gueule. C'est toi, son of a bitch. Merde. Merde. Ta gueule. Non mais je descends. Ok, non je peux pas se voir là, ok. Alors... Voilà, ça c'est fait. Bon, non, j'ai envie de descendre quand même. Je peux pas descendre encore. Et voilà, j'ai essayé que je compte. C'est pendant que j'ai pas joué à Splinter Cell, putain, moi je vous dis. Bon, normalement, j'ai tout sécurisé, juste avancer. Oh. Comment vont les cils? Ils attendent l'évacuation, on continue ta mission.
J'ai besoin de me repérer, Grim. La caserne se trouve droit devant toi. Les pompiers sont bloqués juste devant. Ok. Good. L'incendie devient incontrôlable. Tu vas devoir neutraliser tous les ingénieurs pour que l'équipe de secours puisse reprendre le travail sans danger. Ok. Je crois que j'ai rentré par là. Quoi ? Je peux pas ? Ah si. Ok, d'accord. Il peut se cacher partout. Putain, je sais pas quelle touche c'est. Ouh. Ah, c'est ça. Ah, mais j'ai que des grenades frag, flash. Alors, ça, là. Gueule, fais dodo. Merde. Putain, mais prends l'arme. Ok. Et sur quoi tu tires toi? Sérieux? Sam, t'en es où? Le secteur de la caserne est dégagé. Et toi? Mais mec, je sais pas sur quoi tirer. Le chef des ingénieurs. Tiens-moi au courant. Voilà. Ah, il faudrait s'appuyer, non? Ouais. Merde. Non mais c'est bon. Dépêchez-vous de venir, on n'a pas beaucoup de temps. Elle est où l'ennemi? On peut pas bouger, c'est le pompier, merde. On a un distress. Ok, ça c'est les pompiers. On peut pas bouger si c'est pas dégagé. Je peux pas tomber ici? Non mais... On a de nombreux blessés, au moins 7. Capitaine, c'est bon, vous pouvez reprendre le travail. Merci de votre aide. Ça va nous laisser le temps d'évacuer. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ce feu. La ligne de carburant principale se déverse directement dans le feu, ça va se propager et là, boum! Autant pisser dessus pour les timbres. C'est mort. Bien compris, Sam. Je vais te trouver une santé. Non, attends. Si tu trouves un terminal, je pourrais détruire le virus et nettoyer le système. Capitaine, où est la salle de contrôle? Dernier étage du terminal, mais trop dangereux. Ça va aller, je suis pas tout seul. Bonne chance à vous. Si quelqu'un a besoin de chance, c'est vous. Si tu parviens à arriver à temps au terminal, Charlie pourra fermer les vannes. Ok. Et tout le coup, il y a des connards dans le coin, non? Même pas? Alors on peut pas sauter, mais... Putain, je vois pas par où passer. Non mais... Je te demande pas de passer par là, bordel. Ah, par là. Ok. Ok, là tu montes, ouais. Là tu montes par là, ok.
Alors là, je suppose, un truc qui se casse la gueule en mode je m'en branle les couilles, toi. Voilà. Ah, alors, on passe par là, voilà. Le petit Sam, le là-haut. J'ai réussi à craquer les commandes de l'ingénieur au terminal. Tu veux écouter ? Ça. Branche-moi. Non, mais sérieux ? Bon, voilà. Ok. Voilà. Je suis au bâtiment du terminal. Bien, la salle de contrôle est tout en haut. Ok, tout en haut. Encore de la... Encore de... De la... Comment dire ? La capote. Voilà. Ok. Attends. Ouais, je l'ai. C'est bien joué, Charlie. Je peux tout contrôler. Lumière, porte, vidéosurveillance. Attends. Je crois que j'ai repéré leur chef. Il s'est déguisé en médecin militaire. Je t'envoie la position. J'y vais. Toi, tu veux manger cher. Soyez vigilants, les ingénieurs vont savoir qu'on est là maintenant. Je te couvre. Bien compris, Sam. Hey, les systèmes de contrôle du gaz sont repartis. Verrouillez-moi cette zone. Non. Des tifs, on le bord. Ils reprennent le complexe. Allez, allez chier, bordel. Allez. Voilà. J'adore mon snipe avec les balles pénétrantes. C'est agréable. T'es juste au-dessus de leur chef. Ah. Merde ! Les systèmes ont été réactivés. Ils ont dû reprendre le complexe. Verrouillez toutes les issues. Bloquez l'accès est. Je veux un rapport toutes les minutes. Allez. Tu devrais avoir le chef en visuel, Sam. Je le vois. J'y vais. Il est en train de s'enfuir. Je m'en occupe. Devant toi et enfermer l'ingénieur. Fais-le. Désolé, Sam, je peux la rouvrir, mais ça va prendre du temps. Je prends un autre chemin. Reviens là, toi. Charlie, what the bike? Putain, pourquoi il est là, il est là. Oh putain. Quelqu'un a tiré, là. On
tu meurs là. Hop. Run, Sam, run! Mais run, bordel! Il s'enfuit dans une ambulance. Putain, mais il esquive toutes les balles. Bouge pas, je vais ouvrir la porte. Ok. C'est moi qui vais le tuer. Ah, mais c'est empalé! Toi d'abord. Toi d'abord. Quel est votre plan? C'est trop tard. Qu'avez-vous fait? Ta présidente, elle nous a livré ton équipe sur un plateau. Oh. Denver, le bunker. Sadik les attendait là-bas. Ça faisait partie de son plan. Oh. C'est... Non. Désolé, mais j'ai envie. On a pu joindre la présidente? On essaie. On a des nouvelles de l'équipe des Cils. Ils vont bien. On fait le plein et on redécolle dans 20 minutes. Hey, encore merci pour le coup de main. De rien. T'as une minute? Maintenant? Rien d'important. On se voit tout à l'heure. Grim, le virus Mexico, je dois lui dire. C'est pas la peine. J'ai merdé. Ah oui. Alors pourquoi est-ce que tu me couvres? Pourquoi est-ce que t'as envie que je reste? J'ai pas envie. Merci. Très bien. Tu n'écoutes personne, tu crois que tu sais tout sur tout et tu prends ton travail pour un jeu vidéo. C'est tout? Non, c'est pas tout. Tu sais ce qui m'énerve le plus chez toi, Charlie? T'es bon dans ce que tu fais. La seule sérieux chose qui peut arrêter Sadik, c'est cette équipe. Alors je tiens pas à voir Sam te balancer de cet avion. Je suis désolé. Alors trouve un moyen de te racheter. Charlie, c'est comme ça. Bon. Ok. It's good. Bon. Mais on se dit à plus tard pour un épisode sur Splinter Cell Blacklist. C'était Gunshow. Bye bye.